J'ai une cirrhose du foie. Je suis suivi régulièrement par mon médecin. Et c'est dans un magazine, mais je ne saurais plus vous dire lequel, où on a découvert qu'il existait peut-être un nouveau médicament ou quoi qui pouvait m'aider justement dans le suivi de ma maladie. Et j'en ai parlé à mon médecin, n'est-ce pas, qui lui n'était pas trop au courant, non. Et peut-être qu'après, il s'est renseigné et il m'a fait parvenir donc une offre d'essai clinique qui pouvait se faire, et qui pourrait me servir, peut-être. Mais si pas à moi, à d'autres personnes. Vous êtes très très bien suivi. Si c'est vraiment minuté, c'est pas n'importe quoi. On fait pas. Tiens, prends ton médicament. C'est pas dans 5 minutes. Non, c'est maintenant. Et comme ça, tout est régulé de manière vraiment stricte et c'est suivi par un personnel qualifié, évidemment. Et je dois dire, ça s'est très très bien passé. Zonder patiënten hebben we geen nieuw geneesmiddel. Zonder vrijwilligers hebben we geen nieuw geneesmiddel. Dus ik ben in de rol dat ik speel heel dankbaar dat vrijwilligers bereid zijn om in het belang van de maatschappij en of ook persoonlijke belangen, omdat ze dikwijls ook vrienden of familie hebben die door een ziekte getroffen zijn. Maar daar start het verhaal eigenlijk. Hè. Zonder patiënten zijn we nergens hè, of zonder vrijwilligers. Dus vandaar. Ben, si on ne fait pas d'études cliniques, c'est simple, on n'avance pas. Hein? Et c'est très important. Et le plus grand challenge pour moi, quand on a des études cliniques qui sont favorables, de transmettre ça dans la pratique courante.